Bon, Christopher, bien remis cette belle soirée de lundi. Ouais, ça y est, on est en train de récupérer pour le match de vendredi qui approche, enfin qui arrive très vite. Donc, non, on est très content d'avoir remporté ce match face à Bordeaux. C'était important devant notre public. Et voilà, maintenant on se projette sur le match du Paris FC. Tout le monde s'accordait à dire à la fin du match que voilà, c'est une soirée qui allait sans doute compter pour la suite de la saison parce que d'abord il y avait du monde, parce que vous avez gagné, parce que vous avez gagné à 10, parce que c'était Bordeaux en face. Est-ce qu'avec le recul, vous dites toujours la même chose, que oui, ça peut être encore plus fondateur pour la suite de la saison? Bien évidemment, on savait que c'était un match important et surtout devant notre public. Voilà, on avait à cœur de gagner ce match et de tout donner sur ce match. Maintenant, voilà, on sait que la saison elle est longue, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important d'avoir gagné ce match. Et surtout, voilà, on a réussi à ne pas encaisser le but à 10. Ça montre notre solidité et notre état d'esprit. Donc voilà, très fier de ce résultat. Maintenant, il faut continuer. Justement, comment on peut l'expliquer aujourd'hui, cette solidité? Parce que vous êtes sur les bases d'un vrai record, avec une défense qui a été reconstruite quasiment de A à Z en début de saison, avec des joueurs qui jouaient pas ou peu la saison dernière. Comment vous expliquez avec un peu de recul le fait que ça soit mis en place si rapidement, 6 buts encaissés en 16 matchs? C'est quelque chose d'impressionnant. Non, c'est le travail de tout un groupe, ça part du staff, c'est vraiment un travail de tout le monde, du staff, des joueurs, de tout le monde, du staff médical, de tout le monde. Tout le monde tire dans la même direction, tout le monde est déterminé, tout le monde travaille correctement. Donc on est tous concentrés, tous déterminés à aller de l'avant. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui s'est créé. On a commencé les matchs de prépa, c'était compliqué. On gagnait pas ces matchs, mais ça nous a permis on prenait beaucoup de buts, mais ça nous a permis. Bah, c'est aujourd'hui ce qui fait notre force. On a corrigé beaucoup de choses. Et voilà, aujourd'hui on va dire qu'on est bien, donc il faut continuer comme ça. Vous vous sentez vraiment costaud? Ouais, on est sur le terrain, on est tous soudés. Enfin, tout le monde est soudé, tout le monde tire vers le haut, tout le monde va dans la même direction. Donc, au-delà de costaud, j'ai envie de dire serein même, parce qu'on a l'impression que vous êtes presque tranquille en défense. Tranquille, non. Presque. Tranquille, non, mais on sait qu'on peut avoir confiance aux camarades qui sont à côté, chacun fait les efforts les uns pour les autres. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Avec des défenseurs qui marquent, qui font des passes D, on l'avait avec Gauthier, on le voit aussi avec toi. Enfin voilà, même offensivement, les défenseurs qui verrouillent tout arrivent à déverrouiller même offensivement des situations. C'est notre jeu qui le permet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que ça soit comme ça. Voilà. Toi, tu t'éclates dans ce rôle de défenseur avec un latéral qui a quand même beaucoup de liberté. Franchement, je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à se trouver, on arrive à combiner ensemble, on arrive à trouver des choses vraiment intéressantes et ouais, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde prend du plaisir dans cette équipe et c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Et là, vous envoyez quand même un message très très fort aux autres concurrents. On va parler d'accession tout de suite, mais voilà, vous n'avez pas plombé Bordeaux, mais presque. Voilà, vous envoyez un message fort à ceux qui vous chassent. Ouais, c'est une bonne chose. Maintenant, comme je dis, la saison elle est encore longue. On prend match après match, on est concentré là sur Paris FC, après ce sera Sochaux, mais d'abord Paris FC. Et voilà, on avance petit à petit. Justement, un petit mot sur le Paris FC. Tout le monde s'accordait à dire en début de saison que ce serait sans doute l'un des candidats à l'accession. Ils sont dans le ventre mou. Cette équipe, elle vous inspire quoi? Voilà, toutes les équipes sont difficiles à jouer en Ligue 2. On sait qu'on va être attendu, forcément. Donc non, nous, on aborde ce match avec beaucoup de détermination. Et voilà. Avec derrière Sochaux, là aussi Sochaux. Ça va être un match. Tous les matchs vont être. Là, surtout ce mois de janvier va être très important. Mais non, comme j'ai dit, on aborde match après match, on est concentré et on est déterminé à aller faire des résultats, tout simplement. Et puis vous êtes porté encore par un public, hein, il y avait du monde à Cuirel, il y avait du monde à Gagnon. Oui, c'est vrai, oui. Et là, il y aura encore du monde à bien sûr. Clairement, le public, vraiment, ça nous fait énormément plaisir, on le sent sur le terrain. Enfin, là, contre Bordeaux, on a senti une ferveur qui était incroyable. Je crois que c'était la première fois depuis bien longtemps. Enfin, c'était la première fois qu'il était rempli. Et nous, on l'a senti sur le terrain. Franchement, c'était exceptionnel de jouer devant notre public et on était très, très contents.
Donc, parce que là, vous avez remporté gagné le pari sportif, gagné aussi le pari populaire. Ouais, c'était un objectif de pouvoir remplir ce stade. En début de saison, le coach nous en avait parlé, il nous avait dit que voilà, on voulait remplir ce stade, ça a été fait, donc on est très content. En plus, on a gagné, donc on espère que les gens vont continuer à venir nous voir si les résultats continuent comme ça, et il n'y a pas de raison, donc voilà.